Jean-Philippe Bizini, vous voulez apporter votre soutien aux pompiers qui font grève ? Oui. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais depuis cet été, les pompiers sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail difficiles. Heureusement, d'ailleurs, hein ? Vous imaginez ? Allô les pompiers, il y a ma femme qui est en train d'accoucher, venez vite ! Vous inquiétez pas, on arrive ! Ah, super, dans combien de temps ? Dès que Macron nous aura écoutés ! Ah ! Eh ben, on n'est pas dans la merde ! Chérie, tu voulais la péridurale, va falloir te contenter d'un doliprane. Heureusement que les pompiers sont là. Imaginez le jour où ils font vraiment grève. Allô les pompiers, il y a ma maison qui brûle. Oui, ben appelez Bernard Arnault, il va vous faire un chèque. Hé, à l'hôpital aussi, les infirmières, les médecins, quand ils font grève, ils continuent à travailler. Heureusement, vous imaginez, t'arrives au bloc opératoire, l'infirmière qui te dit « Détendez-vous, c'est Jean-Claude qui va vous opérer ». Jean-Claude, c'est le chirurgien ? Alors non, le chirurgien est en grève. Jean-Claude, c'est le maître chien. Mais il a un CAP charcutier, donc il a quelques notions pour vous opérer. Allez, détendez-vous, monsieur, je vais vous faire l'anesthésie. Mais vous êtes l'infirmière anesthésiste ? Alors non, l'infirmière anesthésiste est en grève. Moi, je suis Jacqueline, de la comptabilité. Mais comme quand je raconte des histoires, apparemment, j'endors tout le monde, c'est pour ça qu'ils m'ont mise là. Heureusement, tout ça n'existe pas, car les pompiers, comme les infirmières et les médecins, quand ils font grève, ils assurent quand même leur mission. Que ce soit pour éteindre Notre-Dame qui brûle ou pour sauver le petit bobo de la voisine, ils viennent pour nous sauver, même si ça passe au détriment de leurs revendications qui, pour le coup, elles, sont bien loin d'être sauvées.